Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo ensemble. On va se faire un petit make-up. Alors, on va se faire un make-up particulier puisqu'on va se faire un make-up avec une seule marque de A à Z avec ma marque préférée, enfin ou en tout cas vraiment une de mes marques préférées, mais je pense que c'est ma marque préférée. Pour ceux et celles qui me suivent, qui me connaissent, vous le savez. C'est MAC, donc on va se faire ce qu'on appelle une full face, un total make-up MAC de A à Z, parce que j'aime tellement cette marque. Franchement, je l'aime tellement, tellement, tellement que j'ai quasiment tous les produits, enfin pas tous les produits, mais je veux dire dans chaque catégorie, donc je peux faire un total make-up avec ça. Je veux vous montrer, enfin même si je vous l'ai déjà montré à quel point c'est une marque au top. Donc je vais utiliser que des produits MAC, voilà, du teint jusqu'à la bouche, et vous allez voir que ils sont tellement extraordinaires leurs produits qu'on fait des make-up hyper naturels, hyper jolis et tout ça. Bon, alors, comme on est dimanche, on est tranquille, on va se faire un petit get ready with me, là, comme on appelle ça. Je vais me maquiller avec tous ces produits MAC, on va papoter, tout ça, tout ça. Donc installez-vous tranquillement, c'est le week-end. On se retrouve en mode, comme vous voyez. Complètement nature, hein. Là j'ai absolument rien fait du tout. Je suis en mode naturel de chez naturel, hein, que ce soit au niveau de la peau ou des cheveux. D'ailleurs ça se voit. Ouh là, faudrait peut-être que je me coiffe. Non, j'ai rien fait. J'ai juste nettoyé ma peau, hydraté ma peau. D'ailleurs, je l'ai hydraté avec le sérum hydratant de chez MAC, le Prep Plus Prime, là, d'ailleurs, qui est bientôt fini. Il faudrait que je m'en rachète. Il est super, super comme hydratant. Et j'ai juste mis une base, en fait. J'ai mis l'hydratant lumineux, la Strobe Crème de MAC, dont je vous ai souvent parlé. C'est celle-ci, qui contient des sous-tons un peu jaunes et tout. Donc, c'est vraiment une base qui est géniale pour apporter voilà, de l'éclat, de la luminosité au teint, pardon, quand on a un peu le teint un peu terne comme moi, voilà. Ça, c'est un super produit. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai l'intégralité des produits de la vidéo là, dans la barre d'infos, bah, tous les produits MAC, je vous les mettrai tous. Donc on a la chance ici à La Réunion d'avoir même pas une, des boutiques MAC. Ça, franchement, je suis trop contente parce qu'on n'a pas de Sephora, mais on a des MAC. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Mais en métropole, il y en a pas mal aussi. Et c'est une marque qu'on peut trouver sur plein, plein de sites de beauté. Donc, pas de souci là-dessus. Bah, écoutez, on va y aller. Moi, je vais quand même m'enlever mes petits bijoux. Voilà, calez-vous, installez-vous. J'espère que vous allez passer un bon petit moment en regardant ma vidéo. En ce week-end ensoleillé ici. Pas pour vous, je sais pas s'il fait beau, s'il fait pas beau en métropole. Là, dans certaines régions, il y a des commentaires où on me dit, oh là là, il fait pas beau, on a un temps de caca et tout, l'été n'arrive pas. Mais nous, ici, on est dans l'hiver, en fait. On est dans l'hiver austral. Mois de juin, là, c'est l'hiver austral. Mais bon, l'hiver austral, il fait quand même 20 degrés quoi, 20 degrés au minimum. Donc on va pas trop se plaindre non plus. Allez voilà, ça ira. Bon de toute façon on est en mode cool, hein. Du coup voilà, j'ai mis le sérum, j'ai mis la base, ben, je vais passer directement au teint. Alors je vais utiliser un produit teint de chez MAC, je sais pas si vous la connaissez, ils l'ont sorti il y a pas très longtemps, c'est une nouveauté. C'est une bébé crème en fait. Et vous savez que moi j'adore, j'adore, j'adore. Bon, il y a quelques fonds de teint que j'adore, mais surtout j'adore les fluides embellisseurs teintés, les bébés, les CC crèmes, parce que je trouve que ça fait vraiment hyper naturel, effet seconde peau et tout. Et c'est ce produit-là. Je sais pas si vous l'avez vu, il est sorti, ouais, je crois qu'il est sorti il y a un mois ou deux, un truc comme ça. Et donc il s'appelle crème teintée en fait, bébé crème teintée. Donc il existe en 4-5 teintes je crois. Et moi je l'ai pris en médium plus. Donc je vais l'appliquer un peu comme un fond de teint en fait, hein. J'en mets sur mon beauty blender. Et puis mon beauty blender humidifié avec ma brume fixe de MAC bien sûr. Bon de toute façon je vais pas vous dire à chaque fois c'est que les produits MAC, hein. Celle-là c'est la senteur coco. Je l'adore, je l'adore. Et je vais m'appliquer cette petite merveille sur tout mon petit visage. Cette crème teintée là, cette bébé de chez MAC, elle est vraiment géniale. Si vous avez les mêmes goûts que moi en termes de teint et que vous l'avez jamais essayé, franchement, essayez-la. Bon, elle est un peu plus chère qu'une bébé crème, je sais pas, Nivea ou même Maybelline, mais parce que ça reste du MAC. Mais franchement, elle est top quoi. Vous allez voir le teint qu'elle fait, c'est un truc de malade. Et en plus, elle s'applique hyper facilement. On peut la travailler au moins 5 minutes. Et elle est hydratante en plus. Ça, c'est cool parce que du coup, on n'a pas besoin d'hydrater énormément sa peau avant. Parce que dans le produit, il y a des actifs hydratants. Du coup, voilà, c'est une crème qui hydrate la peau en même temps. Donc ça, c'est vraiment bien. Surtout quand on a la peau un peu sèche comme moi. Regardez-moi ce rendu, quoi. Bon, je vous montrerai de toute façon dehors parce que là, je parais... Oh, qu'est-ce que je parais blanche? Mais franchement, ça fait flipper.
Non, mais le rendu, il est génial. En fait, la bébé se voit pas du tout, quoi. Elle pénètre vraiment tout de suite la peau et du coup, ça fait un effet seconde peau, quoi. C'est vraiment top, quoi. Donc, on n'oublie pas surtout, hein, là, j'en ai mis sur les oreilles, le cou, bien sûr. Alors, j'en ai même mis sur les yeux, hein. Moi, j'en mets partout parce que je vais pas beaucoup me maquiller les yeux aujourd'hui. Et je vais mettre l'anti-cerne par-dessus. Du coup, je prends mon prolongueur, hein, bien sûr, prolongueur de MAC, que moi j'ai en teinte NW20. Et ma petite éponge MAC, vous voyez, elles sont comme ça, elles sont rigolotes. La forme est assez originale. Et les éponges MAC, franchement, elles sont top. Elles sont un tout petit peu moins souples que les Beauty Blender ou les éponges Tarte. Mais franchement, elles sont géniales. Les éponges MAC, elles sont vraiment top. Tac, petite anti-cerne. Moi, j'en mets partout. Hein. Franchement, j'en mets dans le centre, là, évidemment. Là où la cerne, elle est la plus bleutée, la plus violacée. En dessous. Mais moi, j'en mets même au-dessus de l'œil, en fait. Pour illuminer vraiment le regard. Et comme ça sert de base à paupières, en plus. Et du coup, je voulais vous parler du concours. Franchement, j'ai été tellement touchée. Enfin, il y a eu tellement de participation, en fait. Il y a eu 15 fois plus de participation que pour le premier concours que j'avais fait pour les 100 abonnés. Et franchement, je suis trop, trop, trop contente parce que vous m'avez tous, enfin, toutes dit que les lots que j'avais préparés étaient vraiment top et tout. Enfin, parce que je les ai vraiment préparés avec tout mon cœur. Et voilà, j'avais essayé de faire des lots un peu diversifiés avec des produits soins, des produits make-up. Et je voulais surtout mettre aussi des produits de la Réunion parce que voilà, je trouve ça, je trouve l'idée sympa, en fait. Comme moi je vis ici et que on peut trouver ici des produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, je trouvais vraiment sympa l'idée de mettre dans le lot des produits de la Réunion. Je trouve que ça change un peu, en fait. Ça fait des petits produits de chez moi, et enfin, même si c'est pas, je suis pas originaire d'ici, moi je suis fière de l'île sur laquelle je vis aujourd'hui. J'y suis vraiment heureuse. Je trouve que c'est vraiment une super île, et en termes de make-up et soins, on y trouve de super produits. Donc c'est pour ça que je voulais vous en mettre dans le concours. Et ouais, vous avez été tellement nombreux, nombreuses. J'ai appliqué avec la pointe et du coup je vais estomper avec l'autre bout. Parce que d'un côté il y a une pointe et d'un côté il y a un petit bout qui est comme ça rond. Et ouais, il y a eu tellement de participation, franchement ça m'a fait trop, trop, trop plaisir. Et je suis tellement, je sais pas comment dire, j'aimerais tellement faire gagner tout le monde, en fait. C'est hyper frustrant pour moi, je vous jure. J'ai eu tellement de commentaires adorables et tout. Enfin, si je pouvais, j'aurais vraiment fait gagner tout le monde, tout le monde, tout le monde, quoi. Et en plus, je sais, quand on participe à un concours, parce que moi, je participe à plein, plein, plein de concours, quand on y croit vraiment... Bon, parce que quand c'est des concours sur des chaînes avec des millions d'abonnés, on n'y croit pas beaucoup. On sait qu'on a très, très, très peu de chances de gagner. Mais quand c'est des petites chaînes comme moi et qu'on participe, on y croit vraiment. Et du coup, quand on gagne pas, je sais à quel point on est déçu. Franchement, je le sais, je le vis, puisque même moi, voilà, des fois j'y crois à bloc et tout, et quand il y a le résultat, j'attends, et je me dis, putain, c'est pas moi, putain, je suis dégoûtée. Et je le sais, donc j'espère vraiment que, voilà, vous ceux qui n'ont pas gagné, vous serez pas trop, trop déçus, même si je dis ça, alors que je sais que vous allez l'être, parce que quand moi je suis déçue, je sais ce que ça fait, quoi, je suis dégoûtée. Mais voilà, c'est le jeu, j'avais fait deux lots et il y a deux gagnantes. Mais si je pouvais, franchement, je ferais gagner tout le monde, je vous jure. Vous m'apportez tellement, là, tout le monde, là, tous les commentaires, tous les partages, tous les messages qui me touchent tellement. Bon, voilà pour le petit anti-cerne. Du coup, j'ai fini de l'appliquer, de l'estomper. On voit plus du tout mes cernes, c'est le top du top. Ouais, et de toute façon, je voulais vous dire... bon, j'ai poudré tout ça, je prends ma poudre de chez MAC, la Prep Plus Prime, comme ça. C'est la poudre de finition pressée et elle est extraordinaire. En fait, c'est une poudre compacte parce que vous me voyez souvent utiliser des poudres libres sur ma chaîne. Mais j'ai très peu de poudre compacte, j'ai surtout des poudres libres. Mais celle-ci, la poudre de finition pressée là de chez MAC, qui est translucide, elle est extraordinaire. En fait, elle est parfaite, je veux dire, elle est translucide. Elle matifie, elle unifie le teint, elle dessèche pas la peau. Au contraire, elle a un effet même un peu hydratant. Elle floute les pores. Franchement, c'est la poudre... pour moi, c'est la poudre parfaite. Vraiment, je vous jure. Ouais, et du coup, je voulais vous dire... De toute façon, ma chaîne, je pense que vous l'avez compris, c'est une chaîne de partage. Vraiment. C'est une petite chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est vraiment de partager. De partager nos passions, quoi. La mode, le make-up, voilà, les soins et tout. Et donc, je pense que des concours, je vais en faire assez régulièrement parce que moi, mon plus grand plaisir, c'est de faire plaisir aux autres, je vous jure. Mais je suis pas comme ça que sur ma chaîne, je suis comme ça dans la vie, avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis. Je suis comme ça. Et
Quand je fais plaisir aux gens, ça me fait encore plus plaisir que quand je me fais plaisir à moi-même. C'est-à-dire que je m'éclate encore plus quand je fais des concours comme ça ou quand je fais des cadeaux à mes amis et tout ça, que quand je fais des hauls et que je reçois mes commandes. Bien sûr, je suis euphorique, je suis super contente. Mais je vous assure, je suis comme ça dans la vie. C'est mon plus grand plaisir à moi, c'est de faire plaisir aux gens, quoi. Enfin, aux gens qui m'apportent, bien sûr, hein, aux gens qui me rendent heureuse et qui me le rendent, quoi. Et c'est ce que vous faites sur la chaîne, vous me rendez heureuse. Enfin, vous me le rendez, je veux dire, et ça me rend heureuse tout ça, tous ces partages et tout. Donc voilà, ça va être une chaîne de partage et des concours. Je pense que j'en ferai assez régulièrement. Je vais pas en faire non plus tous les mois, mais je pense au moins 2 fois par an, au moins, je ferai des petits concours. Parce que, par exemple, Mumushan, qui a gagné le concours, le premier concours pour les 100 abonnés, c'était une réunionnaise. Et du coup, au lieu de lui envoyer par la poste, je suis allée lui apporter à domicile. Je suis allée chez elle, je suis allée lui apporter. Et franchement, bah déjà de la rencontrer, c'était génial. C'était trop bien. On a papoté, bon, un petit quart d'heure, voilà, mais on va se recontacter. Et franchement, de voir sa joie quand je lui ai donné le colis, mais elle était tellement heureuse, mais moi, je l'étais encore plus, en fait, je vous jure. Enfin, bon, je vais peut-être m'arrêter avec la poudre là parce que sinon je vais devenir un mort-vivant. Et ouais, voilà, du coup, ça me fait tellement plaisir que voilà, je pense que je vais en faire régulièrement parce que c'est vraiment. Voilà, ça me fait trop plaisir en fait. Ça me fait trop plaisir de voir que je fais plaisir. Et donc, bon, voilà, tout ça pour vous dire, si vous n'avez pas gagné à ce concours-là, c'est pas grave, il y en aura d'autres et des aussi jolis. Je mettrai des produits de la Réunion, je mettrai des soins, je mettrai du make-up. Donc voilà, il y en aura d'autres. Même si je sais que ceux ou celles qui n'ont pas gagné seront vraiment déçus, comme je vous l'ai dit, je le vis. Mais voilà, il y en aura d'autres à venir. Bon, voilà ce que ça donne avec la petite poudre. Je sais pas si vous verrez mieux dehors, je pense, tout à l'heure. Mais elle est vraiment matifiante, voilà, unifiante. Franchement, les pores, ils sont floutés. Pourtant, moi, j'ai des pores dilatés, hein, vous le savez. Regardez là le menton. Là, là. Et même ici, là où j'ai des pores dilatés, franchement, il se voit beaucoup moins. Moi, j'adore cette poudre. Si vous cherchez une super poudre, bon, il y en a plein des super poudres. Mais celle de chez MAC, là, la poudre de finition pressée, elle sera dans la barre d'infos. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Bon, je vais finir le teint. D'ailleurs, je papotais tellement qu'il me reste un peu d'anticerne sur ma main. D'habitude, avec ce qui me reste sur la main, je fais des petits points de lumière. Là, je fais les ailes du nez, je fais le creux du menton, entre les sourcils. Je papotais, j'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais passer à la poudre bronzante, ouais. Et vous savez, moi, quand j'applique la poudre bronzante, je me fais une sorte de. Mini... En fait, je réchauffe mon teint et en même temps, je fais un peu de contour. Et là, je vais prendre la Spring Bring. C'est la collection Boom Boom Bloom. Vous savez, je vous en avais parlé. Celle-ci, c'est une édition limitée. Et elle est vraiment géniale, géniale. Donc, je commence par le profil du visage. Après, je vais faire, voilà, légèrement le front, comme ça. Et surtout le bas, là, et le menton. Avec mon menton Bogdanov en ce moment là, avec mon appareil. Donc elle est hyper pigmentée cette poudre, hein. Voilà, faut faire attention. Donc là, vous voyez par exemple, quand on l'applique, il peut y avoir une tache comme ça. Mais après, elle s'estompe hyper facilement. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées, enfin si vous voulez que je fasse des vidéos. Alors, j'en ai déjà noté plein, plein, plein. J'ai déjà noté plein, plein, plein d'idées. Par exemple, voilà, je sais que j'ai Aurélie qui m'a demandé si je pouvais faire un top 10 de mes palettes, si je pouvais faire un rangement make-up, vous montrer un peu, voilà, tous mes soins, mon maquillage, comment j'organise et tout. Elsa aussi, Elsa31, qui m'a demandé de faire une revue mode noire et blanche, enfin spéciale black and white, parce que par rapport à son boulot, elle ne peut s'habiller qu'en noir et blanc et elle sait pas forcément trop comment faire. Mais je note tout, hein, à chaque fois que vous me mettez dans les commentaires une suggestion ou une idée, je note tout dans mon petit cahier, celui que je vous avais montré d'ailleurs dans le haul accessoire là. Je note tout, 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 mais bon, je peux pas. Voilà, je fais au fur et à mesure. J'essaie de faire au plus vite, mais je peux pas forcément tout faire, bien sûr, dans l'immédiat. Mais n'hésitez pas à continuer à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions et tout. Je suis vraiment preneuse, hein. Bon, même si j'en suis, je crois, à ma 210e idée de vidéo dans mon cahier, je vous jure, j'ai tellement d'idées, de trucs à faire. Mais franchement, je note toutes les suggestions, toutes les idées que vous me faites dans les commentaires. Ou comme Anaëlle aussi, qui m'a demandé de tester le fond de teint Nars, là, le Natural Radiance. Je note vraiment tout, tout, tout et j'essaie de faire au fur et à mesure. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous me disiez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ou même comme format, par exemple, je sais pas, plutôt des lookbooks, des tags, je sais pas. Dites-moi tout ça, je sais qu'il y a pas mal de demandes de haul. Bon, j'en fais pas mal des hauls quand même, hein. Enfin, j'en fais de temps en temps. Après, je peux pas faire des commandes tous les mois non plus. Et je fais pas partie de ces youtubeuses
qui reçoivent tous les mois les nouveautés. Donc moi j'achète, c'est ma carte bleue hein, qui sponsorise les hauls. Donc du coup, je fais le max. Un peu de poudre bronzante dans le cou. Tac, voilà, j'ai fait le bas du visage. Surtout un peu sur le menton là pour donner l'impression d'un visage un peu plus raccourci et puis améliorer l'ovale. J'en ai mis un tout petit peu sur le front. Le front, moi, j'en mets pas des masses parce que j'ai plutôt un petit front. Mais si vous avez un grand front, voilà, vous pouvez le raccourcir un peu. Et vous voyez, je fais surtout les ici, là, les joues, mais vous verrez mieux à la lumière du jour pour avoir, voilà, regardez là, je pense que ça se voit un peu mieux, un profil bien sculpté, en fait, et réchauffé en même temps. Du coup, je vais mettre un peu de blush et d'highlighter MAC. Alors, pour le blush, du coup, je prends mon MAC Like Me Love Me, hein, celui-là, qui est corail, que j'utilise hyper souvent. Enfin, depuis que j'ai le Nars, là, orgasme, j'avoue que j'utilise aussi pas mal. Mais celui-là, là, le Like Me Love Me, il est exceptionnel. Mais vous voyez, il est tombé par terre, en fait, ma fille me l'a fait tomber par terre, je suis dégoûtée. Du coup, il est tout cassé, punaise. Le truc, c'est que moi, j'ai deux filles, donc quand elles voient tout mon maquillage et tout, là, elles pètent un plomb, elles ont envie de tout me piquer, quoi. Je vous parle même pas des palettes qu'elles me font tomber par terre, qui sont cassées, quoi. Ouais, et je prends le pinceau MAC, le 168S comme ça, qui est parfait, parfait pour le blush. Moi, je trouve qu'il est, c'est vraiment la... Il est biseauté, il est pas trop gros. Et du coup, pour appliquer le blush, il est vraiment top. Et ouais, donc comme je disais sur les suggestions et les idées, ben, on est toujours dans la même, voilà, la même idée de partage. En fait, c'est une chaîne de partage. Je veux dire, c'est ma petite chaîne, mais c'est votre chaîne aussi, quoi. C'est vous qui la faites vivre. Donc, c'est pour ça que je souhaite vraiment que vous me disiez dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme type de vidéo sur ma chaîne, parce que c'est toujours la même idée, voilà, de partager et de faire les choses ensemble, quoi. Alors, un peu d'highlighter. Je vais prendre la poudre lumière, la Whisper of Guilt de MAC. C'est celle-ci. Je vous en ai déjà parlé aussi, comme ça, avec la petite étoile. Je prends le pinceau MAC spécial highlighter. C'est le 184S, il est éventail comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai le même en morphie, pinceau éventail. J'aime bien parce qu'en fait, ça balaye la matière comme ça, c'est top. Tac, on fait on balaye, on balaye. Celui-là, il est moins pigmenté que mon BK. Il est plus léger, on va dire. C'est le même type, c'est-à-dire un peu champagne doré. Mais il est plus light. Il est plus light que le BK, il apporte moins de glow, on va dire. Ouais. T'as de glow. N'empêche, quand je dis glow, là, il y a vraiment un langage sur YouTube dans la beauté, quoi. Hein. Il y a vraiment... Et je m'y suis faite à ce langage, hein. Parce que je vois, je mets crash test, all make-up, all mode, all accessoires. Enfin, c'est des mots que... Avant ma chaîne YouTube, je n'utilisais pas du tout des haul par exemple, crash test, enfin plein de mots comme ça quoi. Ou je sais pas, unboxing, tous ces mots-là, c'est vraiment des mots YouTube en fait. Try on, c'est rigolo, n'empêche. Enfin après, chaque domaine a ses mots, hein. Bon, moi je travaille dans un milieu où c'est pareil, on a notre vocabulaire. Donc voilà, j'en mets un peu sur le haut des pommettes, sur la tempe, comme le blush, hein, je vous ai pas dit, mais le blush j'en mets aussi toujours sur la tempe. J'en ai mis un peu sur l'arête du nez. Tac, et sur l'arc de Cupidon. Bon, pour le teint, on est pas mal. Du coup, je vais faire mes sourcils vite fait hors caméra, parce que ça, c'est pas très passionnant. Et je reviens tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait mes petits sourcils. Alors, pour les yeux, on va se faire un truc hyper léger aujourd'hui. Bon, j'ai plusieurs palettes de fard à paupières MAC, mais je vais prendre la toute petite, vous savez, celle-ci, qui est une palette de neutre, en fait, avec que des tons comme ça... marronné, rouille, beige, champagne. J'ai envie de me faire un truc light. Ouais. On est dimanche, là je vais me faire un petit truc léger. Je vais prendre bien évidemment mon pinceau MAC 224S. C'est le meilleur de tous les pinceaux pour moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre d'abord une petite couleur... non, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la rouille là, qui est là ici. Qui est vraiment rouille, marron, marron rouille. Je vais pas me mettre beaucoup de fard à paupières, hein. Je vais faire un truc vraiment nude, léger. Hop, voilà, je le mets là, surtout. J'ai même pas mis de base à paupières en fait. Hein. En plus, j'ai l'anti-cerne que j'ai poudré, donc ça va bien. Voilà, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, mais j'aime beaucoup ce petit marron. Ça va faire un truc vraiment un make-up du quotidien, quoi. Ouais, et en ce moment, je vais sur YouTube, et vous savez quoi? Ça me gonfle en fait. Enfin, non, ça, je m'explique. En fait, ce qui me gonfle... C'est beaucoup de chaînes de youtubeurs ou de youtubeuses que je suivais beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'alors. Et là, en ce moment, mais je vois les mêmes trucs partout. Partout, 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 partout. Genre, là, je sais pas, en ce moment, par exemple, c'est tous les achats luxe que je regrette. Je vois ça sur toutes les chaînes. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que
Alors que c'est pas un truc d'actualité en plus, les achats de luxe. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'à partir du moment où quelqu'un fait une vidéo, tout le monde se dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée, je vais la faire. Ce qui est un peu normal, entre guillemets. Voilà, de prendre un peu, enfin de prendre ses idées sur YouTube via les autres chaînes. Mais du coup, le résultat, c'est qu'on voit un peu les mêmes vidéos partout. Là, par exemple, sur mon, comme on dit, sur mon feed, j'avais, je vous jure, 3-4 youtubeuses là, qui chacune avait fait une vidéo sur les achats luxe que je regrette. Mais c'est un exemple, les achats luxe. Mais il y a plein de sujets où c'est comme ça, en fait. J'ai l'impression de voir un peu les mêmes choses partout. Et du coup, ce qui est cool, attendez, je vous dis juste, ouais, donc ce petit marron, vous voyez là, je l'applique plutôt moitié externe de l'œil sur la paupière mobile et je remonte là au-dessus du creux de paupière par rapport à ma paupière tombante vers le sourcil. Pas jusqu'en haut, mais je remonte bien. Et surtout, j'étire le fard bien sur le bord de l'œil, en fait, pour allonger le regard. Et vous voyez avec quelle facilité il s'estompe? C'est un truc de fou, hein. Et il y a 0, 0, 0, 0 chute. Voilà. Bon, ben, c'est Mac, hein, c'est Mac. Et donc, du coup, j'étais en train de vous dire, ce qui est cool, c'est que, en fait, via mes abonnés, j'ai découvert plein de nouvelles chaînes. Alors, des petites chaînes comme moi, ou même des personnes qui ont 1000 ou 2000 abonnés. Et en fait, je suis trop contente parce que... j'ai eu dans les commentaires, voilà, bon, je t'ai découvert, j'aime beaucoup ta chaîne, tout ça, donc ça c'est top. Et moi aussi j'ai une petite chaîne, si ça te dit, viens voir. Et franchement, je suis allée voir. Et du coup, je me mets à suivre certaines de ces personnes. Bon, elles se reconnaîtront, hein. Et je trouve ça génial en fait. On en revient toujours à, ben, encore une fois, à l'idée du, voilà, du partage. Et en fait, via ma chaîne YouTube à moi, je découvre d'autres petites chaînes que je n'aurais jamais découvertes sinon, parce que voilà, YouTube ne me les aurait pas proposées parce qu'elles n'ont pas assez d'abonnés dans les suggestions. Et du coup, je suis trop contente, quoi. Je suis vraiment trop contente. Je pense à Kelly, je pense à Soline, Nina et Lulu, Laurélie, enfin voilà, j'en oublie bien sûr, là j'en cite quelques-unes, mais. Je suis trop contente d'avoir découvert toutes ces petites chaînes, en fait, qui, je trouve, me ressemblent beaucoup plus. Parce que le contenu est vraiment personnalisé et j'aime beaucoup la personnalité. Du coup, je suis trop contente. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée du YouTube classique, on va dire, avec les grands YouTubeurs, YouTubeuses. Mais du coup, je suis super contente du YouTube que je découvre grâce à ma chaîne et aux abonnés qui mettent des commentaires. Et qui me font découvrir leur propre chaîne. Et ça, c'est cool. Donc, merci beaucoup. Parce que franchement, c'est ça qui me plaît. Bon, attends, j'en ai mis un petit peu plus à droite qu'à gauche là. Donc, on va comment on peut dire, on va symétriser. On va symétriser. Non, on va égaliser. Voilà, je fais un truc light, hein. Je fais un truc assez light. Je vais l'estomper encore un peu plus. Voilà. Donc, du coup, voilà pour ce fard. Je vais en rester là pour ce fard. Pas mal, je trouve. Je vais prendre le fard qui est le plus foncé là, qui est tout en bas, ce petit marron là, très très intense, avec toujours un pinceau MAC, donc le 219S, vous voyez, qui est tout petit comme ça. Je vais juste en appliquer un tout petit peu coin externe de l'œil. Bon voilà, j'applique un petit peu de ce petit fard. Il est marron, vraiment foncé, presque noir finalement. Hop, juste ici là pour intensifier, tac, le coin externe de l'œil. Je reprends mon MAC pour bien estomper le MAC, le 224S là. Et après, je vais me faire un petit rat de cils inférieur. Très léger. Du coup, je vais prendre un petit pinceau rat de cils comme ça. Tac. Je vais reprendre le premier marron que j'ai appliqué, parce que finalement, j'en ai appliqué que deux, hein, un plus clair et un plus foncé. Je vais prendre le plus clair pour faire le rat de cils inférieur. Parce que le foncé, je pense que ça fera un peu trop. Il y a une palette qui me tente à mort, mais à mort. J'ai vu une vidéo de Marion Caméléon et j'ai découvert cette palette grâce à Marion Caméléon. Parce que Marion Caméléon, pour le coup, c'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup. C'est la palette de Morphe, là, parce que vous savez qu'on est dans le mois de juin, là, c'est le mois de la Pride. Et Morphe a sorti une palette, justement, sur ce thème, sur la Pride, avec aussi tout un lot de pinceaux. Oh, elle est sublime. Cette palette, elle est magnifique. Elle est vraiment avec des couleurs hyper, voilà, hyper vivantes, peps, des couleurs néons et tout. Elle me fait trop, trop, trop envie. Vraiment, je sais pas si je vais craquer ou pas. Dites-moi si vous en avez entendu parler d'ailleurs de cette palette, parce qu'en plus, elle est pas trop chère. Ce qui est bien avec les palettes Morphe, c'est que non seulement elles sont de grande, grande qualité, extrêmement pigmentées et tout, et en plus, elles sont pas trop chères. Par exemple, celle dont je vous parle là, la Pride, enfin, je sais pas quel est le nom exact, elle est à 23 dollars 23
Donc bon, je sais pas combien ça fait en euros, mais franchement, c'est pas excessif, hein. C'est une palette qui contient une vingtaine de fards à paupières, voire plus même. Des fards à paupières qui font chacun 1,1 g. Et pour 23 $, je trouve ça pas forcément cher, connaissant la qualité des fards Morphe, par rapport au prix, par exemple, des palettes ou d'A Beauty ou Anastasia Beverly Hills. Elle me tente vraiment, vraiment beaucoup, hein. Voilà, j'ai fait mon petit ras de cils inférieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste retravailler légèrement la liaison, là, hop, entre le ras de cils inférieur et le coin externe de l'œil, que ça fasse bien, bien joli, quoi. Enfin, je vais essayer, quoi. Juste au coin interne, je vais mettre une petite touche de celui-ci, là. Je vais vous le montrer. Celui qui est là au milieu. C'est une sorte de champagne, un peu bronze, mais qui est hyper lumineux. Donc je vais prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Je vais mettre une toute petite touche vraiment là pour illuminer le coin interne de l'œil. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle palette vous tente vous en ce moment. Ou pas forcément des palettes d'ailleurs, mais quel produit vous tente en ce moment. Parce qu'il y a énormément de sorties de nouveautés en ce moment. D'ailleurs, il y a eu la soirée presse Sephora il n'y a pas longtemps, où ils ont présenté toutes les nouveautés. Et du coup, il y a plein plein de trucs qui sortent. Et bon, d'ailleurs, on est un peu inondé de nouveautés, quoi. Mais dites-moi ce qui vous tente à vous. J'aimerais bien savoir. Parce que moi, je vous montre dans mes vidéos ce qui me tente, dans les hauls ou ce que j'achète et tout. Mais dites-moi vous ce qui vous tente. Du coup, voilà, je me suis fait le petit coin interne. Mais vous verrez mieux à la lumière du jour. Donc, un peu de mascara MAC, bien évidemment. Mon mascara fétiche. Enfin, un de mes mascaras fétiches. Qui est génial, celui-là. Il est. C'est pareil, il est parfait quoi en fait. Il est comme ça avec plein 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 de petits picots. Et du coup, il allonge les cils à fond. Il fait pas de paquet. En fait, il apporte volume et longueur. Il est génial. Ah, le soleil est revenu. Bon, voilà ce que ça donne avec le mascara. Évidemment, ce mascara est extraordinaire, bien sûr. Et d'ailleurs, bon, voilà pour les yeux. Du coup, pour la bouche, je vais me faire un petit contour de lèvres. Avec mon crayon MAC, le Fresh Clay, comme ça, qui est nude, qui est gras, comme ça, il est génial. Il peut même servir de rouge à lèvres, d'ailleurs, hein, tellement il est bien. Bon, sachant que, vu que je vais appliquer un rouge à lèvres raisin et pas un liquide mat, j'ai même pas besoin d'en faire, en fait, mais je sais pas, j'en fais un pour le fun, quoi. Non, blague à part, c'est vrai que si on met un crayon sous le rouge à lèvres, sur toute la lèvre, enfin lèvre supérieure, lèvre inférieure, ça permet de mieux faire tenir le rouge à lèvres toute la journée, même si c'est un rouge à lèvres raisin hyper facile à appliquer, qui nécessite pas de contour, je veux dire. Regardez, on pourrait même croire que c'est un rouge à lèvres mat en fait. Je me rapproche de la caméra pour que vous voyez mes lèvres. Regardez, on croirait que c'est un mat. C'est marrant, hein, ouais, c'est vrai, on pourrait même rester comme ça. Mais non! Alors, j'hésite entre deux. J'hésite entre, bien sûr, aucun suspense, mon rouge à lèvres, le vieux rose, le 608 Matte Mer, qui est mon fétiche, quoi, celui que je mets hyper souvent, que j'adore, et un petit nude de chez MAC. Je sais pas trop, mais allez, je vais mettre mon vieux rose. Je vais mettre mon vieux rose, je l'aime tellement, tellement, tellement. Allez, et puis, vu qu'aujourd'hui, je fais un total make-up MAC, il faut que je fasse honneur. Je suis obligée. De toute façon, là, les deux, que ce soit le nude ou le vieux rose, c'est des rouges à lèvres qui vont avec tous les make-up, hein, et à toutes les carnations en plus. Bon, voilà pour ce magnifique rouge à lèvres, hein, qui se passe de commentaires. Je vous l'ai déjà montré, je sais pas combien de fois, mais je m'en fous, je vous le remontre, je l'aime tellement. Voilà, bah, il est magnifique, quoi. C'est le rouge à lèvres. Hein. C'est le vieux rose magnifique, magnifique. J'étais en train de me dire d'ailleurs, avec tout ce que j'ai de chez MAC, et notamment les palettes hyper colorées et tout, j'aurais pu faire un make-up beaucoup plus original que celui-ci. C'est-à-dire un make-up des yeux marron, qui, bon, bien sûr, assez nude, assez neutre, un rouge à lèvres assez neutre, mais non. Aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous montrer, au-delà du petit chat make-up et de papoter avec vous et tout, j'avais envie de vous montrer simplement un make-up simple, voilà, qui va à tout le monde, qui va... Allez, je vais fixer le tout, du coup, avec ma brume fixe. Hop. Ah, la noix de coco. Et puis on est pas mal. On est pas mal. Je vais essayer d'aller vous montrer ça ailleurs. Bon, du coup, je me suis mis dehors, devant les petits palmiers là de mon jardin. C'est un peu la tempête. Il y a énormément de vent aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je voulais juste vous montrer le make-up vraiment à la lumière du jour. Lumière naturelle. On triche pas. Voilà, voilà le petit teint déjà que j'adore.
Le make-up des yeux, vous voyez, c'est un make-up vraiment ton marron, hein, ton neutre. Make-up vraiment simple, hein, vous avez vu, je l'ai réalisé avec simplement trois fards à paupières avec le petit coin interne, le petit rouge à lèvres là qui est très très sympa, voili voilou. Et voilà, je vous montre mes petits palmiers de la Réunion, si ça peut vous apporter un peu de baume au cœur, comme certains me disent dans les commentaires. Voilà, c'était juste pour vous montrer le maquillage, parce que là, je pense qu'on voit mieux. Voili, voilou. Allez, je retourne dans la chambre. Et ben voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette petite vidéo qui était un make-up Total Mac de A à Z, une sorte de chit chat make-up de Get Ready With Me, enfin bon, je sais pas comment on peut dire en langage YouTube, enfin en même temps on s'en fout. Voilà, l'idée c'était de se maquiller ensemble, c'était de papoter, un petit peu de tout et de rien. J'espère que ça vous a plu. Voilà, encore une fois, je suis désolée pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas gagné. Si vous êtes déçus, je suis désolée, j'aurais aimé faire gagner tout le monde. Mais voilà, comme je vous dis, il y aura d'autres concours. Donc voilà, restez là, il y aura d'autres choses et des choses très 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 sympas. Si la vidéo vous a plu justement, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like pour que je le sache. Et puis encore une fois, bien sûr, à me laisser des commentaires, c'est toujours le plus important. Sur ce, moi je vais vous laisser et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'aller chez MAC si vous avez envie d'un produit. Faites-moi confiance, c'est une super marque, vraiment. Je veux dire, si vous achetez un produit MAC, c'est un investissement. Voilà, vous serez rarement déçus. Après, je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos, mais si vous voulez des infos supplémentaires sur certains produits, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, hein. Je vous répondrai avec grand plaisir, parce que au-delà des produits que je vous ai présentés, je connais assez bien la marque. Donc si par exemple vous recherchez je sais pas, tel ou tel produit, ou n'hésitez pas à me demander. Enfin, si je peux, je vous aiderai, parce que je connais pas trop mal, voilà, je veux pas me vanter, mais je connais pas trop mal la marque et leurs produits, parce que j'y vais assez souvent, et du coup je pourrais peut-être vous conseiller, peut-être, enfin voilà, n'hésitez pas, on sait jamais. Et ben voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite, et puis à bientôt. Ciao tout le monde.